lassitude. Je ne suis plus de ceux qui donnent, mais de ceux-là qu'il faut guérir. Et qui viendra dans ma misère? Qui aura le courage d'entrer dans cette vie à moitié morte? Qui me verra sous tant de cendres et soufflera et ranimera l'étincelle et m'emportera de moi-même jusqu'au loin, ah, au loin, loin. Qui m'entendra? Qui suis sans voix maintenant dans cette attente? Quelle main de femme posera sur mon front cette douceur qui nous endort? Quels yeux de femme au fond du mien, au fond de mes yeux s'obscurcis, voudront aller, pierres et profonds, pourront passer sans se souiller? Quels yeux de femme et de bonté voudront descendre en se réduit et recueillir et ranimer et ressaisir et retenir cette étincelle à peine là? Quelle voix pourra retentir? Quelle voix de miséricorde? Voix claire avec la transparence du cristal et la chaleur de la tendresse. Pour me réveiller à l'amour, me rendre à la bonté, m'éveiller à la présence de Dieu dans l'univers. Quelle voix pourra se glisser très doucement, sans me briser, dans mon silence intérieur?